Salut les filles! Alors, je fais vite cette petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Scrap Plaisir, chez Sagopo Scrap et chez Scrap Néouage. Donc, je viens de recevoir ça aujourd'hui, les trois colis. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc, par contre, j'ai pas les prix. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre les liens en bas des sites pour les découpes bois. Je ne sais pas si je vais arriver vu que je fais tout de mon téléphone, donc c'est assez compliqué. Bref, voilà. Donc on va commencer par les découpes bois. Donc les découpes bois de chez Alexandra Scrap Newage. Donc je vous montre la petite carte avec le nom du site en bas. Voilà, donc Alexandra, on reçoit toujours des petits cadeaux, c'est très sympa, je te remercie. Si tu passes par là, je te fais de gros gros bisous. Donc là, en petit cadeau, j'ai reçu des petites étoiles. Je ne sais pas si on va bien voir. Des petites étoiles en bois. Donc j'en ai reçu 6. Donc ce que j'ai commandé chez elle, donc j'ai commandé ceci, j'en ai commandé 2. J'ai commandé ceci. Donc là, je suis en train de faire un album, petit album pour mon chéri, pour Saint-Valentin, donc ça tombe bien. J'ai commandé ceci. Des petites libellules, donc comme ça, ou remplies. Donc je pense qu'on pourra aussi les superposer. Pour plus de volume, ça peut faire sympa. Hop, voilà. J'ai commandé des petits feuillages, donc j'en ai commandé plusieurs. J'ai commandé ceci, donc je les ai pas enlevés du support, c'est quand même assez fin. Donc c'est des petits cœurs. Et j'ai commandé des petites étoiles, donc pareil, je les ai pas enlevés des supports. Donc il y a plusieurs motifs d'étoiles. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai commandé chez Alexandra. Maintenant ce que j'ai commandé chez Sagopo Scrap. Alors j'ai acheté ce tampon-là. Donc il n'est pas monté. Je pense que je le sais comme ça parce que j'ai pas de mousse pour le monter. Donc je me débrouillerai. Celui-ci. Ensuite, je me suis commandé trois petits cerfs-volants. Ça, c'est quand je ferai un album de mon fils. Voilà. Donc ça s'enlève, bien évidemment. Bref. J'en ai commandé trois. J'ai commandé un toi et moi. Commandé un Peace and Love, donc celui-là est assez grand. Instant en famille, j'ai commandé deux arabesques, donc comme ceci. Donc vous voyez quand même par rapport à ma main, c'est assez grand. J'ai commandé ceci, je pense pour mettre sur une couverture d'album, ça peut être pas mal. Donc c'est aussi grand que ma main. Et j'ai commandé, donc là-dedans, il y a des petits cœurs, vous avez des et comme ça. Voilà. Et des petits cœurs comme ceci. Donc ça c'est pour les découpes en bois. Donc franchement les deux c'était super rapide. Hein. J'ai commandé lundi soir il me semble. Et je les ai eus tout à l'heure. Donc on est mercredi dans la boîte aux lettres. Donc franchement les filles, merci beaucoup. C'est toujours rapide. L'envoi est toujours nickel. Et les prix sont très corrects. Alors ensuite, je me suis fait une commande chez Scrap Plaisir. Comme vous savez, je suis démonstratrice là-bas. Ça fait un moment que j'avais rien acheté. Je fais même plus de, comment ça s'appelle,
d'atelier ni quoi que ce soit parce que j'ai pas le temps et que voilà. Et puis bon, il faut quand même s'investir un minimum, donc voilà, je fais pour moi et quand j'aurai le temps, plus de temps, ou bah, j'essaierai de refaire des ateliers, des choses comme ça. Bref, c'est ma vie. Donc, je me suis commandé des dies. Donc ça, c'est die bordure. Donc franchement, je suis assez impressionnée parce que je pensais que ça aurait été beaucoup plus petit que ça. Et ça, c'est nickel parce que des fois, quand on commande des die bordure, on se retrouve avec des dies quand même assez petits quand on doit faire des pages 30-30 ou des albums, choses comme ça. Et bien, des fois, c'est trop petit. Donc, franchement, là, il y a de quoi faire. C'est vachement grand. Donc, bon, on en a trois différents. C'est à base, enfin, c'est des fleurs, hein. Les trois sont des fleurs. Donc voilà. Donc, ça. Ensuite, j'ai commandé ceci. Non, des dies aussi. Et j'ai commandé des dies Polaroid. Alors ça, on peut les faire à la main, bien évidemment. Mais je me suis dit, si un jour, enfin, si je veux faire un album qu'avec des choses comme ça, ce sera quand même beaucoup plus rapide de faire avec des dies que de tout faire à la main. Parce que du coup, ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Voilà. Ensuite, on va passer au tampon. Donc, il y a tout ça. Je me suis lâchée. Alors, le tampon, celui-ci, c'est sur l'amitié. Donc, voilà, c'est du texte, hein, des petits mots. Ensuite, celui-ci, c'est sur l'hiver, donc bataille de neige, des choses comme ça. Vu que je pense partir 2 ou 3 jours avec mon fils et mon compagnon à la neige. Donc comme ça, si on fait des photos, je pourrais faire un petit album sur notre week-end au ski. J'ai pris aussi celui-ci par rapport à la neige. Donc celui-ci, j'ai pris aussi le papier qui va avec, tant qu'à faire. Il y avait aussi les dies, mais je ne les ai pas pris. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est des mots, ouais, des mots un peu sur les rêves, sur la liberté, des choses comme ça. Voilà, des petites plumes. Ensuite, ça c'est sur l'automne. Désolée pour le reflet. Voilà. Ça, c'est sur le départ des vacances. Moi, je suis pas trop chose comme ça, mais bon. J'ai pris, on verra bien si j'en ai l'utilité, au moins de celui-là, je sais pas. On verra. Je me suis pris des tampons fond. Je l'ai pris surtout pour celui-ci. Il me plaisait bien. Celui-ci, je pense pas trop l'utiliser, mais bon, on sait jamais. Voilà. J'ai pris encore celui-ci, donc pareil sur les voyages. Mon plus beau voyage, des flèches, être libre, etc., etc. Je me suis pris ça. Donc ça, c'est pour faire des couronnes de fleurs. Donc vous avez la base qui est là, le premier tampon qui est là, et après vous panachez avec vos fleurs, vos feuillages pour faire en fait votre couronne de fleurs. Voilà. Et je me suis pris celui-ci aussi. Les oiseaux. Donc là, c'est pour les tampons. Ensuite, au niveau des papiers, donc je me suis pris des feuilles noires 30-30. Donc je me suis pris deux paquets. Je me suis pris un paquet blanc aussi. Parce que ça, en général, ça part assez vite pour faire les structures d'album. Donc, comme je vous disais, je me suis pris donc le papier
avec la même collection que les tampons. Donc, hop. Donc toutes les couleurs en fait ça va être dans les tons des marrons, vert d'eau comme ceci, blanc. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Et après je me suis pris donc deux kits d'albums à réaliser. Donc en fait dans ce paquet-là vous avez tout le nécessaire pour faire l'album. Voilà. Donc après à vous de voir si vous voulez rajouter des choses supplémentaires. Mais normalement tout est fait pour que vous ayez, enfin pour que vous ayez rien à prendre en dehors de ce qu'il y a là-dedans. Donc vous avez l'explicatif qui est là, donc le tuto qui est là. Et vous avez donc tous les papiers à l'intérieur. Donc là j'ai pris pour faire un album homme, parce que c'est vrai bah, que c'est plus facile à faire pour les femmes et pour les hommes c'est assez compliqué. Donc je me suis dit comme ça, je vais pouvoir voir un peu ce que ça donne. Et je me suis pris donc un album tendance avec onglet. Donc pareil, même principe que l'autre, avec un tuto, tout le nécessaire à l'intérieur. Et c'est dans ces couleurs-là. Couleur craft, vert d'eau et bleu. Voilà. Donc une fois que j'aurai fait ces deux albums, ben, je vous montrerai bien évidemment le résultat, si ça vous intéresse. Voilà. Donc pour mes achats, c'est fait. Je suis en train peut-être de préparer une commande chez AliExpress, mais bon, je me tâte, je sais pas. Peut-être le mois prochain. Mais bon, ça le temps que ça arrive, on attend. Voilà. Et je suis en train donc de finir l'album de la Saint-Valentin. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je sais pas si je la posterai avant la Saint-Valentin ou pas. Parce qu'il me suit, enfin il regarde mes vidéos YouTube aussi comme vous. Donc on verra si je le mets avant ou pas, ou si j'attends le 14 février avant de mettre cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite.